Hello tout le monde. Ok. Alors, on va suivre la flèche rouge. Je me souviens. Vers le cimetière marin. Le doyen des cercles vous a demandé de secourir des mineurs dans le cimetière marin, aidez-les tout en cherchant le quartz de lumière. Aidez les mineurs du cimetière marin. Ok. Jusque-là, c'est plutôt clair. Donc, on va y aller. Pour les personnes qui n'étaient pas là la dernière fois, on avait plutôt bien avancé, en vérité. Et là, du coup, on va faire la suite. Je dois te remercier pour le réapprovisionnement d'hier. Je compte sur toi pour la suite. Et c'est vrai que j'avais une autre carte sur moi. Ah, tu organises une foire. Alors, il faut que je prépare plein de produits. Faut que je lui parle. Granit, j'ai à te parler. Allons discuter devant ma boutifleur. Ok. Tu vois, il existe un légume très intéressant dans ce monde. Il s'agit de la courge crieuse. Elle est très populaire parmi les amoureux des légumes comme moi. Il paraît qu'un marchand de l'abîme spectral au sud-ouest du désert de Kar vend des graines de courge crieuse. D'accord. Ok. Oui. Ok. Vous avez décidé de vous occuper de ce dont vous a parlé Lot. Donc là, en gros, on va devoir aller... Et en fait, j'oublie toujours que je peux aller directement... Voilà, là. Du coup, ouais, on va aller lui chercher son... ces graines de courge dont il a parlé. Salut à toi, je t'en prie, fais-toi plaisir et fais-moi plaisir aussi, ne repars pas les mains vides. Les marchands des hameaux vous rendent parfois visite dans votre oasis. Le nombre maximum de marchands qui peuvent être dans l'oasis augmente avec le niveau. Du coup, j'imagine que lui n'a pas de fameuses graines de courge. Ce serait un peu trop facile. Il est joli, ce turban. Allez, hop. On va le prendre. Ok. Ok. À une prochaine fois. Ok. Ah. Ça bug un peu. Alors, lui, il veut nous parler aussi. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, chef, tu tombes bien. Je voulais justement te soumettre une proposition. Je dois te dire quelque chose au nom de tous nos alliés animéens. En fait, ils proposent de mettre leur temps d'entraînement à contribution pour t'aider à récolter des matériaux. Ah, voilà. Je me disais bien la dernière fois qu'il y avait un truc du genre que j'avais pas. Ce sont d'excellents combattants et ils peuvent tout à fait partir à l'aventure sans toi. Si j'étais toi, je dirais oui, ça t'aiderait dans ton travail de livraison de matériaux et de synthèse de nouveaux équipements. Cela dit, plus ils iront loin, plus les préparatifs te coûteront cher en aquagem. Je t'ai tout dit, réfléchis-y et viens me voir si ça t'intéresse. Vous pouvez désormais avoir recours à l'exploration déléguée. Si vous avez au moins 3 alliés animéens, vous pouvez les envoyer en exploration. Selon leur destination et leur pouvoir, ils obtiendront des objets et une quantité d'expérience différents. Vous pouvez mettre en place une exploration déléguée en parlant à Saouré. En réglant les problèmes de diverses régions, vous augmentez le nombre de régions à explorer. Ok.
Donc c'est une bonne nouvelle parce que justement on était en rade sur certains trucs et on ne pouvait pas les livrer. Ce qui fait que là on va pouvoir. Par exemple là j'ai pas de lierre solide. Ça par contre j'en ai. Je fais ma petite livraison avant d'y aller. Comme ça, c'est fait. Ok. Là, c'est pareil. J'ai pas assez de petits pétales ni de pommes camélia. Ok, donc là, on va livrer. Et donc, on va pouvoir aller voir. Saouré qui va nous proposer maintenant l'exploration délayée. Donc le lieu. On a dit qu'il me fallait des lierres solides. Il n'y a pas l'air d'y avoir de fruits là-dedans. Je regarde. Voleur de pierre, panthéra, cobrequin, gna gna gna, pulpe de cactus, perle roulante, pierre de verre. Pierre solide, branche fossilisée. Ouais, en fait, ça va être intéressant que là. Obligé de mettre ouais attends ah il peut me conseiller une équipe ouais tac aucun autre allié ne peut partir en exploration ok de toute façon on avait besoin de rien d'autre par contre là où ça me pose problème c'est que alors qu'est-ce qu'elle a elle. Je vais voir avec le marchand d'abord. Parce que visiblement, les petits pétales, on en a besoin, mais je vois pas du tout comment je suis censé les avoir. Orge, seigle, avoine, blé, blablabla. Et en échange. Il m'échange pas de. Ouais, non. Non, bah du coup je pense que c'est un truc qu'elle peut cueillir de façon complètement random et que c'est pas au bon vouloir du truc déjà. Du coup on va faire de la culture délayée parce que faut bien leur donner des trucs. Ah. Elle. Je lui ai déjà donné quelque chose, non, je lui ai rien donné. Je vais lui donner toutes les graines de maïs que j'ai, voilà. Tac. Ok. Donc on a dit que il fallait que j'aille. Déjà, je vais regarder un truc. Je vais. Non, en fait, ça me va, ça. Ouais, ça me va. On va rester là-dessus. On va se téléporter. On est censé aller là où il y a le marchand dans le machin bleu. Je vais dire devant la jarre. La carte est pas forcément simple à comprendre des fois. Donc, du coup, logiquement, on ressort par là parce que là, j'ai rien à y foutre, moi.
Je suis le chemin. Pas forcément envie de perdre du temps. Donc moi je suis là. Ok. Du coup, d'après le plan, il faut que je longe par là. Et non, malheureusement, il peut pas courir plus vite que ça. C'est un peu relou parfois, j'avoue. C'est pas. Ah! Je me suis mis en première vue. Au secours. Ok. Alors, par contre, t'es gentil. J'aimerais bien voir où je vais. Voilà. Alors, il y aurait une entrée par là. J'imagine que je dois longer ici. Ok. Par là. Ok. Et donc là, il y a un petit trou dans le mur. Il est juste là. Il est là. Ouais, par contre, je veux pas l'agresser avec mon épée, en fait. Oh, sais-tu que tu es un granéen très chanceux? Je distribue des graines de courge crieuses que j'ai récoltées dans mon champ. Tiens, prends-en, ne sois pas timide. Le marchand a placé un petit paquet dans votre poche. C'était aussi simple que ça, ok. Bon, bah, écoute, moi, ça m'arrange. On va dire que... Est-ce que je peux rentrer chez moi? Ouais. Ah oui. Oui, bah ça m'arrange aussi. Du coup, tac. Bon, ça dépense des aquagemmes, mais franchement, vu le nombre qu'on en a, c'est pas trop grave. Vraiment pas. Ok. On n'a pas gagné d'expérience, hein, sans surprise, vu le... La courtesse de la mission, on va dire ça. Ok, alors, où qu'il est? Il est là. On va lui donner ses graines de courge crieuse. Ah, il faut vite que je la plante dans un champ pour la faire pousser. J'ai hâte de voir quel genre de fruits elle va donner. Merci, tiens, accepte ça, c'est pour toi. Vous avez reçu quelque chose en remerciement et catholique. Ok. Requête satisfaite. Vous avez accompli la requête spéciale que vous avez confiée Lotte pour l'amour des légumes. Ok. Ah. Rang supérieur. Et c'est notre première boutifleur à passer 2 étoiles, du coup. Et Lotte a un nouvel article grâce à nous, c'est le légume croquant. Il a aussi un nouveau pouvoir, défense casquée plus, réduit de 30% les dégâts infligés par les ennemis de type casqué. Voilà. Et du coup, il a amélioré ses stats. Ok. C'est toujours sympa. Alors, Ok, on sauvegarde et on va se téléporter. Où qu'il est notre point rouge? Près de la grotte Courage. Du coup, on va aller dans la grotte Courage. Et voilà. Alors, I am. Attends, j'essaie de comprendre. Ouais, non, c'est exactement par là, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aïe. Ah oui, il est bien relou lui. Ok, donc nouveaux ennemis que je ne connais pas parce que comme vous avez pu voir, j'ai galéré. Ok, bah lui il est pas nouveau par contre, du coup peut-être. Ok. Alors, vu notre état, faudrait prendre une potion plutôt. Ouais, voilà. C'est bien, ça nous fait de l'entraînement parce que jusque-là, on galérait pas trop. Ok. Aïe. Ok. Bon. Il n'y en a plus. On va aller par là. Ce qui fait que moi je suis la flèche. J'ai rien avec moi pour me battre contre eux, donc je vais pas forcer. Ouais non, faut que je monte. Ah oui non, je peux pas passer par là en fait. Faut que j'emprunte la porte. La porte qui était bloquée la dernière fois par le cercle qui voulait pas nous laisser passer parce qu'on n'avait pas fait la foire encore. Et du coup là, comme on a fait la foire, il n'y a plus personne qui la garde. On va juste être obligé de tuer les ennemis, sauf que ça va être relou parce que. Parce que ça, exactement. Ah, il y en a un autre. Hop. Là. Ah, le truc, c'est que les marteaux, c'est pas hyper rapide. Hein. Ça fait des dégâts, mais c'est pas rapide. Ok. Alors, on va devoir leur redonner un soin parce que c'est pas glorieux quand même. Voilà. Allez, kaboum le rocher. Hop. On passe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas ce que c'est que cette pierre, mais elle dégage une sorte de force magique. Quelqu'un muni d'une baguette magique parviendrait peut-être à en faire quelque chose.
Ok. Ouais, donc c'est pas pour nous. Visiblement, quelqu'un dans les alliés qu'on a devrait pouvoir, mais là, c'est pas pour nous. On peut pas passer par là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que on va devoir faire demi-tour en fait. Ouais. Je peux vraiment rien actionner avec les équipiers que j'ai là avec moi en fait. Du coup, je vais devoir retourner à l'Oasis. Ah, petite augmentation de niveau. Granit niveau 7. Miou niveau 7. Bien. Très bien. Du coup, par contre, alors, qui on a en magicien? Alors, ah, ça a l'air d'être ce qu'on cherche niveau arme. Je regarde si j'en ai d'autres, je fais ma curieuse. Ah, visiblement, on a une seule personne qui est magicienne. Ironie du sort, d'ailleurs, c'est la personne qui accompagnait Lévi de base. Lévi, donc le cercle qui est dans notre équipe avec le gros marteau. Je sauvegarde. Voilà. Et dans l'autre sens. Et on y retourne. Hop. Ah, c'était elle qu'il nous fallait en fait. Et une fois qu'on le sait, ça va beaucoup mieux. Bon, du coup, voilà. Ici. Si, 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 je vais enfin pouvoir te montrer ce que je sais faire. Avec la magie de ma baguette, je peux faire réagir ces pierres et modifier la luminosité aux alentours. Si on éclaire les salles sombres et qu'on assombrit les salles claires, il se passera sûrement quelque chose. Les granéens armés d'une baguette peuvent allumer ou éteindre la lumière dans une salle grâce aux pierres magiques. Placez-vous devant une pierre magique et appuyez sur A. Ok. Magie, magie, et vos idées ont du génie. Ok. Donc, du coup, suivons la lumière. Et on rallume. Voilà. Ah.
merci pour le coup de latte. Allez, pas. Ok, donc la moins entraînée de mon équipe, c'est la plus efficace. On va pas y arriver comme ça. Ok. Un petit côté Indiana Jones, cette musique. Voilà. On l'a eu. On l'a eu. Ok. Bon. Il y a quoi d'autre dans les tas de sable? Que je récupère quand même les matériaux qui traînent. Hop. Là, j'imagine que si je mets un bon coup de marteau, il y a moyen de casser le truc et de passer de l'autre côté. On va récupérer le coffre en pec. On a eu une amulette de pureté. Ok. Je vais la garder, elle, en prums, hein, vu que visiblement c'est celle qui sert le plus ici. Ok. Alors, bah, pas le choix. Je me fais attaquer par des poissons squelettes. Au secours. Ok. Et ben... Bien wesh. Ok. On va taper le mur. Laissez-moi passer. Ok. Alors. Allez. Ça va lui faire de l'XP à la petite Maria vu que elle est vachement utile ici. Ok. Alors, bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est en haut qu'il faut aller. Et ben du coup, on monte, hein, écoute. On va quand même récupérer les trucs qu'il y a. Matériaux, hop, et on va casser, voilà, et un autre coffre, un bronze bestial. Je sais plus du tout à quoi servent ces trucs. Je crois que de souvenir, hein, c'est je dois passer où moi? Bon bah visiblement par terre. Ouais, j'ai pas ça avec moi dans mon équipe. Calmez-vous. Ok. Donc là on a débloqué le point de sauvegarde devant le cimetière et vu le truc là qu'il y a devant, je pense qu'il va falloir aller chercher quelqu'un d'autre. Donc on va rentrer à l'oasis. C'est pas ouf. Alors, on disait, il va falloir changer l'équipe. On va retirer Maria. Et il faudrait que j'ai... C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ah. Ok.
Carlotta est dans une culture et c'est la seule qui a parafleur. Il va falloir la sortir de la culture. Et ça tombe bien parce que... Voilà, et... Voilà. Et maintenant, on peut la remettre dans notre équipe. Carlotta, tech, parafleur, impec. On va sauvegarder parce qu'on sauvegarde jamais assez. Ok. Et... On y retourne. Donc, c'est là où c'est intéressant qu'il y ait tous ses alliés dans le... Ok. Je disais donc qu'il y ait tous ses alliés dans notre oasis parce que ils ont chacune des pouvoirs différents qui nous aident bien lors des explorations. Le seul truc que je peux reprocher au jeu, c'est que oui, des fois, du coup, il y a pas mal de je dois retourner à l'oasis et pour changer d'allié parce que là, je peux pas passer en fait. C'est un peu relou à des moments, surtout quand c'est juste entre deux. Entre deux endroits en fait. Parce que là clairement c'est vraiment c'était pas vraiment nécessaire de changer entre deux ça le personnage quoi. Bon après une fois que l'endroit est débloqué, qu'on a utilisé le téléporteur, on peut avoir accès à justement aux pouvoirs qui sont utiles dedans. Ce qui fait que ça nous demande moins de temps. Je pressens le boss là du coup parce que le type qui est là-bas, c'est un mineur du hameau. On dirait qu'il a perdu connaissance. Allons l'aider. Ouais, bon alors déjà pour l'aider, il va falloir se battre. Ah. Ok. Et on a un deuxième. Aïe, putain, juste là. Ok. Bon, voilà, ouvrier cerf, on va pouvoir lui parler. Pfiou, quelle galère. Si j'avais su, je serais pas venu. Ah, Lévi. T'es venu nous aider, c'est sympa, mais tu sais, c'est pas une petite secousse comme ça qui va m'abîmer. Ma foi, tant mieux, les autres aussi sont sains et saufs. Alors ça, moi je sais ce qui m'est tombé sur la tête, mais pour ce qui est des camarades, aucune idée. Puisque t'es là, tiens, prends cette clé et va donc leur donner un coup de main, si tu veux bien. Normalement, il devrait être deux. Ok, donc là on est parti pour aller chercher les copains de Jean-Mi qui se sont perdus. Je compte sur toi. Hein. Bon. Eh bien, la quête va donc s'appeler à la recherche des deux mineurs perdus. Ah, je me souviens de cet endroit. Il était pas du tout relou. Ironie, hein, bien sûr, il est très très relou en fait. Ok. Ah. Bon. Ok. Je peux lui maraver sa tronche à cette plante de merde ou pas? Aïe. Ok. Bon, bah il y en a plus. Mais il y en a deux autres là-bas. Génial. Merveilleux. Comme si c'était pas déjà assez chiant.
Ok. Ah, je comprends pas la logique, au secours. Qu'est-ce que tu fous dans le sable, toi? Ah, putain. Et en plus, elles envoient ça en rafale, les enfoirés. Ok. Ben. Aïe. Merci. Non mais tout va bien, je gère la situation, vraiment, je gère la situation. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ok, bon, Kaboom? Non, pas Kaboom. Ok, si, Kaboom, mais autrement. D'accord. Ok. Que se passe-t-il par là? Donc là, il y a une porte rouge. De l'autre côté, on a vu qu'il y avait une porte bleue. Donc, et on a un autre bouton poussoir. Kaboom. Ok. Voilà. Cette porte-là, on ne l'a pas encore visitée, donc on va y aller. N'est-ce pas? Ah! Eh, oh, ouh, à l'aide. Un peu plus de crédibilité, Michel, que diable. Ok, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi qui... Les noix d'ombre, vous me cassez les noix. Aïe, 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 aïe. Ah oui, d'accord, on n'a pas fini en fait. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Aïe, 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 aïe. Bon bah écoute, réanimation du chef. Hein. Ok. Aïe aïe aïe. Ah bah. Merci beaucoup. Ok. Un peu trop fortes ces noix hein, quand on n'a pas de bâton magique là quand même. Ok, bon, tout le monde va prendre de la potion parce que faut pas déconner non plus à un moment donné. Voilà. Et du coup je sais plus ce qu'on était en train de faire moi. Ah oui, ok, alors Kaboom. Ouais. Ok, donc tac tac, on monte sur le rouge. Jusque-là, faut pas être un génie hein, non plus. Ok. Ch'ti, sacré nom d'une pioche. V'là un coup de main bienvenu. D'abord la terre qui tremble alors que je suis perché en hauteur. Ensuite ces fichus monstres qui me tombent dessus. Je commençais à être sérieusement rongé par la frousse. Sacré Lévi, je dois dire que je m'attendais pas à ce que tu viennes nous secourir. T'as plus de tripes que je pensais. Pour être honnête, je n'ai fait que suivre Granit. Ah bon? Bah quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Ah, à ce propos, il y a encore un collègue, un peu plus loin, qui doit se demander ce qui se passe. Tiens, je te file ma clé. Sois sympa. Va donc lui donner un coup de main, lui aussi. S'il te plaît? Non? Non, bah pas s'il te plaît. Bah, vous avez obtenu clé bleue. Ouais, ok, donc la porte bleue là-bas. Va vite secourir mon pote, s'il te plaît. Fais attention à toi. Alors, je fais ce que je veux. En l'occurrence, si j'ai envie de faire attention à moi, ça te regarde pas. Déjà. Hein. Merde. Eh bah oui, il faut le. Hop, kaboum. Voilà, merci. C'est gentil, fallait pas. Hop, allez.
Donc là, on est bon pour aller à la porte en face. Donc la fameuse porte avec la clé bleue. Tac, on ouvre. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. J'imagine que la porte rouge, ça va être la grosse galère. Oula! Eh, je me suis peut-être un peu. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Merde, merde. Ok. Bon, déjà, premier tips, ne pas tomber dedans. Aïe, 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 c'est pas très gentil ça. Bon. Il prend toute la place, mais il est pas bien méchant, hein, en vérité. Bon, du coup. Ce sera peut-être plus simple avec une épée quand même. Alors. Qu'est-ce que ça? Je dirais qu'il faut se faire aspirer. Je disais bien, du coup, ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Faut vraiment en passer par là tout le temps. Genre, j'ai pas le choix. Je peux pas juste mener une vie tranquille, pépouze. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Ah, génial. Bon. Ah, je vais prendre quelque chose de plus léger, peut-être. Aïe. Alors, déjà, on fonce pas sur les gens quand ils sont occupés. En vrai. Personne ne fait ça. Calmez-vous. Alors. Ok. Faut défoncer ce truc en fait. Bon, eh ben on y va. Voilà, tu t'arrêtes maintenant, tu te calmes. Bon, à buter ces trucs-là. Calmez-vous. Ok, bon. S'occuper du deuxième là, par contre, êtes gentil, ça va pas se faire tout seul. Ok, bon, du coup, bah on peut y aller au fond maintenant. Voilà, alors je propose qu'elle aille direct faire je ne sais quoi. Ok. Ah, il est là. Ah, il y a quelqu'un par terre là-bas. Ouais. Effectivement, il y a quelqu'un par terre là-bas. Bon. Là, pour l'instant, de toute façon, je peux. Ok. C'est un collier simple. Merveilleux. Qu'est-ce que quoi? Tas de sable, tas de sable. Pas pourquoi je sens que ça pue du cul, ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors. Qu'est-ce que t'as dans ton tas de sable? Ok, bah. Ouais, de toute façon, je peux. Ah! Ok. Ok. Oui, calme-toi, je sais que t'as perdu de la vie, ça va. Alors. Je sens que je vais devoir refaire des remèdes. Beaucoup de remèdes. Parce que là.
C'est la débandade, les amis. Ah, tiens. Oh, qu'est-ce que c'est? Au secours. Aïe aïe aïe. Yes. Ok, on l'a eu. Alors. Bon, la clé rouge, on l'a pas. Ça a rien de. Oui, la porte est fermée à clé, ouais. J'imagine que c'est Jean-Mi allongé là qui va nous la filer, la machine. Ok. Ah. Voilà. Bien. Tac. Voilà, c'est exactement ça qu'il nous fallait. Ok, bon, maintenant du coup. Ce qui fait qu'on va taper là-dessus pour pouvoir monter là. Voilà. Ok. Mais merci. Pendant un moment, j'ai cru que je m'en sortirais pas. Je voulais une fière chandelle, ça c'est sûr. Tout un paquet de chandelles même. Si je m'attendais à ça, sauvé par ce goinfre de Lévi qui est même pas mineur, comme moi, comme quoi l'habit ne fait pas le moine. C'est que je ne travaille pas avec vous, mais mes pérégrinations avec Maria m'ont appris beaucoup. Je vois, désolé de t'avoir pris de haut, mon vieux. Et merci, sans toi, je sais pas ce que j'aurais fait. Oh, et si je peux encore vous embêter un moment? Normalement, il n'y a pas de mineurs au-delà d'ici, mais on sait jamais. Si quelqu'un restait coincé, ce serait ballot. Vous croyez que vous pourriez aller jeter un coup d'œil au cas où? Et c'est la clé rouge. Oui, personne ne l'avait deviné. Merci, hein, et faites gaffe à vous. Ok, donc c'est la clé rouge, du coup, la clé. 1, 2, 3, je m'en vais au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Bon. Je ne sais plus parler, au secours. La clé rouge. Qu'on peut aller par là. Tac. Ceci est un coffre. Et non mon sang. Conifère. Conifère. Certes. Alors. Là, il y a une autre porte rouge. J'imagine que ma clé rouge a disparu et que je peux pas utiliser ça sur toutes les. Quoique, on ne sait jamais, hein, on va essayer. Ah, bah si. Tac. Ok. C'était donc un raccourci. Attends. Oh, pas de là, moi? Non. Non, j'ai pas de là. Alors. Ok, c'est une fleur. Allez, envole-toi. Hop. Ah bah d'accord. Eh ben, si mère Albert, fallait pas. Revient.
Ok, bon. Aïe. Putain, c'est pas possible ça. Bon, c'est bon là. Ok, c'est bon. Du coup, j'aimerais bien finir ce que j'étais en train de faire, moi là. Calmez-vous. Ok, alors. Ok, bah. On va casser le caillou. Ok, boum. Ok. Rien à rapporter. Casser l'autre caillou. Ok. Alors. Ah, c'est reparti pour le coup de la baguette magique et j'en ai pas, évidemment. Sinon, où est le plaisir? Hop. Hop. Ce qui fait que je vais pas pouvoir passer par là. Bah non. Évidemment que non. Ah du coup. Du coup du genou. On va prendre un aquaportail. On va aller rechercher Miss Baguette Magique. Eh, bravo. Niveau 8 pour Granit et niveau 8 pour Levi. J'ai obtenu le titre Nettoyeur de Sable. Eh ben, ravi de le savoir, du coup. Bah, je veux changer mon équipe en fait. Tu seras gentil. Je vais donc reprendre Maria avec moi. Je vais. Hop. Ok. Nickel. Farper tout ça. Je réfléchirai à une autre équipe d'exploration plus tard. Il lui reste des graines de maïs. Ouais. Ah, c'est bon du coup. Aquaportail. On va retourner. J'espère que ça nous remet à l'endroit exact où j'étais. Ouais, un pec. C'est bien ça. Ça c'est très bien parce que j'avoue, j'avais pas du tout envie de me retaper tout le truc. Ok. Kaboum, recaboum, hop, je prends le coffre, fleur de bronze, ok. Ah si, en fait je peux le faire même s'il n'y a pas de traces sur le bois, ok. Je suis censé éclater quoi en fait? Compris ce que j'étais censé éclater là tout de suite, mais ok. Ou alors c'était un leurre, je suis en train de me dire. Ok, alors tac, on va y arriver, c'est par là.
fait sérieusement. Ah non, ça va, je peux quand même passer la porte. Ah. Ça, généralement, c'est le moment du boss. Qu'est-ce qui va me tomber dessus encore? Aïe aïe aïe. Ah. Ah ah. Je suis pas bonne à ce jeu, au secours. Il est en train de me défoncer toute ma vie en plus. Yes, alors on l'a eu, mais c'était pas glorieux. Bon, il va vraiment falloir refaire des potions pour la prochaine fois parce que là vraiment. Hop, ok, c'est bon. Je fais un petit tour pour voir. Ouais, non, il n'y a rien d'intéressant. On va se laisser. Porté par le tourbillon. Ah. Point de sauvegarde ici. Parfait. On va sauvegarder. Non, on va se téléporter dans l'oasis plutôt. Voilà. Aller dans la cabane du chef. Je vais se. Enfin, je sais pas si je peux dormir. Non. Ok. Relever au niveau du soleil. Je vais sauvegarder là. Ok. Et puis. Hop. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci aux personnes qui sont passées, du coup, voilà. Et je vous fais de gros bisous.